Our word is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you.
Escar, Monsieur Thierry Royer. Merci. Bien écoutez, aujourd'hui, je crois que nous avons pu effectuer cette compétition sous une météo agréable. L'été est enfin arrivé. Voilà. Je voulais commencer ce discours d'être bref. Les archers pour leur excellent état d'esprit sportif. Donc, merci aux archers, merci pour cette magnifique compétition qui s'est déroulée aujourd'hui. Je voulais également remercier la ville de l'Escar qui nous a mis à disposition l'ensemble des infrastructures. Voilà, s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas organiser ce genre de manifestation. Donc on peut les applaudir. Merci. On remercie également les arbitres. Parce que voilà, c'est pas toujours facile. Merci les arbitres. Voilà. Merci à eux. Et bien sûr, la Fédération française de tir à l'arc qui nous a de nouveau fait confiance cette année pour la deuxième année consécutive. Et puis enfin, les bénévoles. Merci. On va enchaîner avec les femmes. Avec donc montant en D2, et vous pouvez les applaudir, l'équipe de Loche, Caroline, Loche. Johan, Gavoignon, Marie, Ochin, le coach Gérard Rocher, l'équipe de Van, Clara Fimon, Caroline Plus, Morgane Moser, le coach Sébastien, le club de Villeneuve-d'Ascq avec Nadine Moreira, Catherine Collias, Céline Pernin, Alain Rousseau et le club de Ross avec Elodie, Antébili, Sandrine Saint-Jean, Pauline Laporte et le coach Sébastien Roy. Félicitations. Voilà, les récompenses et les t-shirts sont remis par les jeunes de l'Escar et le président du club. Salut.